Oui, je le dis et je le dis souvent, je n'ai brigué aucun autre mandat. La seule chose qui m'intéresse, c'est Porto Rico. Et quand je vous vois aussi nombreux en face de moi, je sais que je peux compter sur vous parce que ma force, c'est vous. Entouré de ses partisans, Georges Mella lance sa campagne. À ses côtés, Jean-Jacques Panunzi, président du Conseil général de la Corse du Sud, et Camille de Rocazera, député. L'heure est au bilan. Aux appels à la mobilisation aussi, à plusieurs reprises, le maire sortant de Porto Vecchio le répétera. J'ai besoin de vous comme jamais. Car voici le danger, Jean-Christophe Angelini. Élu conseiller général en 2011, le nationaliste a failli remporter le siège de député un an plus tard, à quelques 200 voix près. Seul au municipal, difficile de battre Georges Mella. Du coup, le credo est simple. Il y a bien sûr la volonté d'union. Et je crois que cette fois-ci, nous devons tirer toutes les leçons du passé et fédérer des femmes et des hommes qui, il y a encore quelques temps, étaient divisés, peut-être même opposés. Il est temps que cela cesse et que nous nous rassemblions les uns et les autres autour d'un projet et d'une volonté de gagner, non pas pour nous-mêmes, mais pour la ville et pour les jeunes générations. L'union de l'opposition, malgré les sourires, c'est le cauchemar de Georges Mella. Voir les nationalistes s'allier à la gauche, avec Viviane Biancarelli par exemple. Officiellement, cette militante PCF n'est pas encore candidate. Son mot d'ordre, sortir le sortant. Nous sommes dans la bataille contre la droite, comme toujours. Contre la droite, est-ce que ça veut dire avec un front uni, peut-être ? Des discussions sont en cours, nous n'en savons rien. Une chose est certaine, c'est que nous sommes forts de nos valeurs et que nous irons à cette bataille avec nos valeurs. Comprendre des alliances, d'accord, mais sans doute pas avec Corsica Libera. Les indépendantistes seront conduits par Michel Giraschi. Eux aussi plaident pourtant pour le rassemblement. Nous avons affirmé dès le départ que nous étions favorables aux convergences sur des bases politiques claires, sur un accord politique, et nous maintenons cette offre qui est de changer les choses ensemble. Union ou pas, il faudra convaincre d'ici mars les près de 11 000 électeurs inscrits à Porto Vecchio, un record historique.